Alors, quelque chose qui nous a marqué au long de ces années, quand on a travaillé sur ces familles, vraiment des premiers constats, c'est une forme d'hétérogénéité. Hétérogénéité qu'on a pu retrouver entre les familles, mais aussi à l'intérieur des familles. Alors là, on va essayer d'illustrer un peu cette hétérogénéité avec quelques représentations, je vous montrer. Là, la question des personnels. Alors, bon, pour aider à la lecture, en bleu, on voit les ecclésiastiques et centres de sciences, en rouge, les muséums, vert, jardin botanique. On a rajouté en violet les parcs zoologiques afin d'avoir un point de comparaison, j'y reviendrai plus tard, peut-être avec une famille de la culture scientifique, mais qui a une autre logique. Donc on voit par exemple ici que 20% des muséums ont moins de 2 ETPA. Voilà. Mais à l'inverse, 5% des CSTI, seulement 5% des CSTI sont dans ce cas de figure, ont moins de 2 ETPA. Voilà. Mais à contrario, les muséums, plus de 20, quand on prend, comment dire, alors avec les chiffres, c'est ça qu'il faut s'en souvenir, un quart des muséums, voilà, ont par contre plus de 20 ETPA. On voit là une disparité entre la famille, par exemple, des muséums et entre les familles. Voilà, voilà donc une première illustration. Je passe à la fréquentation qui sera elle aussi illustrer un peu cette hétérogénéité. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, si on prend la moitié des CSTI, la moitié des structures accueillent moins de 60 000 visiteurs. Si on coupe en deux un peu toutes les familles, on voit que les jardins botaniques, eux, accueillent moins de 12 000 visiteurs. La moitié des jardins botaniques accueillent moins de 12 000 visiteurs. Pour les muséums, la moitié accueille moins de 18 000. En s'intéressant aux fréquentations un peu plus élevées, on voit que un tiers des CSTI accueille plus d'1 400 000 de visiteurs. Alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, c'est dur à avaler, mais bon. Et un cinquième des jardins botaniques ont plus d'1 400 000 de fréquentation. Quant au muséum, quand on s'intéresse aux fréquentations, on est à 1/20 des structures. Là encore, forme de cette hétérogénéité. Voilà, on voulait vous montrer également le budget, données sensibles, on en est conscient, mais souvent structurantes et révélatrices d'un fonctionnement. Et là, on voit, sur ces différentes familles auxquelles on s'intéresse, un étalement relativement similaire du budget, que ce soit dans les grands budgets ou les petits budgets. Là, et pas énormément de surprises. Voilà. Donc, autre chose qu'on voulait vous présenter et qu'on trouve très parlant, c'est cette question des statuts. Statuts révélateurs. Vous voyez que les muséums, par exemple, là, sont une logique de services de collectivité territoriale, en énorme majorité. Donc on voit ça en bleu, plus de 90%. A l'inverse, les CSTI s'inscrivent plus sur un statut d'association. Ils sont en grande majorité organismes privés à but lucratif. Les jardins botaniques, quant à eux, s'inscrivent sur une variété de statuts un peu plus élevés, mais souvent services publics d'établissements de collectivité. De collectivités ou d'établissements publics. Voilà. Quand je parlais d'une autre logique pour les parcs zoologiques, on les a affichés ici, on voit qu'ils sont majorité des organismes privés à but lucratif. Voilà. Passe la suite. Voilà. Donc, si on a pu dégager ces résultats, cette hétérogénéité sur les différentes familles, c'est que, comme on vous l'a présenté précédemment, on avait des critères communs d'observation qui nous permettaient évidemment de les comparer quand on prenait un petit peu de hauteur, un plan plus général. Mais au-delà de ces hétérogénéités, ces familles ont des spécificités qu'on a pris en compte dans notre observation, faisant partie intégrante de leur identité sur le champ du patrimoine de la culture scientifique. Et donc là, j'ai envie de revenir un petit peu sur ces spécificités, peut-être aussi d'un point de vue d'un constat, d'un travail d'observation qu'on a pu faire, mais aussi, pourquoi pas, de nos impressions qu'on a eues en travaillant avec ces acteurs. Alors pour les CSTI, les centres de sciences, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Et tout d'abord, c'est cette multiplicité des financements. Financements à l'échelle européenne, à l'échelle de l'État, du département, de la région, des intercommunalités. Sûrement révélatrice de leur fonctionnement en mode projet, de cette inscription dans les contrats de plan État-région, par exemple. Autre chose, et peut-être une des plus importantes pour les CSTI, c'est aussi cet engagement dans l'innovation. Innovation qu'on retrouve à plusieurs niveaux. Innovation sociétale, innovation dans l'éducation. Mais innovation aussi dans le rapport au public. Et c'est là vraiment une des spécificités des CSTI. C'est de chercher à chaque fois à renouveler, à innover dans la façon de transmettre un peu la science et ses messages aux citoyens. Voilà. Et autre chose encore pour les CSTI, c'est cette inscription dans leur territoire, souvent acteurs centraux et fédérateurs de leur territoire. Ils ont vraiment ce mode de travail en réseau et en partenariat, moi je dirais comme axiome intangible de leur structuration. Voilà. Ensuite, pour les jardins botaniques, je crois que... C'est vrai que par la question de l'innovation, ce sont les CSTI qui nous ont demandé est-ce qu'on pouvait faire un état des lieux des bonnes pratiques. Est-ce que l'observation pouvait rendre compte des dispositifs de médiation innovants? On n'avait pas cette demande dans les autres familles.
À chaque fois, ils nous demandent de pointer certains éléments. Et ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, pour les muséums, comment ne pas parler des muséums, comment parler des muséums sans aborder la question du patrimoine qui est évidemment structurant pour les muséums et qui façonne aussi, en un sens, un certain nombre de leurs missions et de leur, et leur façon d'être sur ce champ de la culture scientifique, effectivement. Bon, je pense que mon collègue Patrice saura vous en parler de façon un peu plus... Un peu mieux, tout simplement. En plus, il a travaillé sur les muséums, il s'y connaît bien. Mais une des choses qui m'a marqué, moi, je suis sur les muséums, c'était aussi, quand on s'est intéressé un peu à la fréquentation des muséums, on s'était rendu compte que finalement, plus la fréquentation de la structure était importante, et finalement, plus faible apparaissait la part des scolaires dans cette fréquentation. Tendance qui, finalement, s'est vérifiée sur toutes les autres familles qu'on a pu observer. Voilà, donc c'est vraiment des choses comme ça qui me viennent. Sur les jardins botaniques, quand on a travaillé avec eux, vraiment, c'est cette inscription, finalement, dans des logiques s'abolissant totalement des frontières et des notions de territoire administratif qu'impliquent les missions de préservation et de conservation du vivant. Ça, vraiment, cette inscription dans l'international, dans des programmes européens internationaux, très prégnante, en fait, dans les missions et dans les préoccupations des jardins. Mais aussi, également, dans les jardins botaniques, c'est cette inscription dans l'espace urbain. Je crois que dans la famille de la culture scientifique, ce sont des structures ayant la chance, je pense, d'être aussi lieu de passage et lieu de vie pour les citoyens. Et voilà. Et je pense que les jardins aussi savent profiter de cet avantage, entre guillemets, de cette opportunité pour aussi construire et être acteur central de l'espace urbain. Voilà. Alors, pour les universités, j'aurais beaucoup à dire. Je vais quand même souligner la complexité d'observer la CST, le patrimoine et la culture scientifique, dans les universités. Universités, de par déjà leur complexité structurelle et institutionnelle. On voit que c'est des structures en pleine mutation, presse, CUE, d'autres acronymes dont je n'ai pas connaissance. Il y a ça. Mais à l'inverse, il est vraiment à noter l'engagement, je trouve, des acteurs faisant le patrimoine et la culture scientifique au sein des universités, même s'ils ne sont pas forcément nombreux. On voit pourtant que la preuve en était hier, où le groupe pilote se réunissait pour la prochaine plateforme, et combien étaient présents? Je crois une quinzaine d'acteurs étaient présents déjà pour préfigurer à la prochaine plateforme. Et à noter aussi l'institutionnalisation de ces acteurs de patrimoine CST au sein des universités. Voilà. Voilà un petit peu, je dirais, ces différents aspects qui auraient pu me marquer, moi, dans les travaux et ces années de travail au sein de l'OCI. Merci, Julien. Je vous propose de garder vos questions en réserve pour la fin de nos présentations. Place maintenant à Patrice Charles. Merci, Richard. Donc, alors sur la question du patrimoine, notamment du patrimoine scientifique et technique, comme l'a dit Florence, il ne faut pas s'attendre à lire des chiffres de manière trop précise et à les décrypter, mais on va plutôt faire un survol des données à disposition. L'idée est d'avoir une approche globale, transversale aux familles, muséums, universités, jardins botaniques et CCSTI, même si les CCSTI, on le sait, sont peu concernés par le patrimoine. Oui. Alors, qu'abritent ces établissements? Donc, évidemment, du patrimoine culturel, art, histoire, géographie, etc., mais aussi beaucoup de patrimoine scientifique, disons en grande majorité, et notamment des collections naturalistes. Alors, vous avez ici un petit récapitulatif des disciplines de collection. Avec notamment les collections d'histoire naturelle, donc botanique, zoologie, géologie, paléontologie. Vous voyez également au-dessous des disciplines traditionnellement de sciences humaines. On les intègre dans l'histoire naturelle traditionnellement parce que, historiquement, dans le sens où historiquement, les muséums, mais pas seulement d'ailleurs, abritaient de l'archéologie et de l'ethnologie. L'homme avec un grand H y étant pendant longtemps considéré comme issu de la nature et donc du fait faisait partie intégrante de l'histoire naturelle. On a également des collections vivantes,
végétal et animal, qui étaient abrités dans des aquariums, des jardins botaniques, des zoos, des insectariums, etc. Et puis, évidemment, d'autres collections scientifiques, assez nombreuses, un éventail astronomie, médecine, pharmacie, physique, chimie, des instruments scientifiques en grand nombre, et puis des collections d'histoire des sciences également, des collections d'ouvrages. Donc ces collections, on peut les regrouper sur le vocable de PSTN, patrimoine scientifique, technique et naturel, comme l'avait proposé Jacques Maigret à l'époque, un des spécialistes de ce champ. Elle a l'intérêt d'avoir une approche englobante interdisciplinaire. Alors, quelques chiffres en faisant notamment un focus sur l'histoire naturelle. Premièrement, pour les muséums, on dénombre à ce jour 18 millions d'objets au total en région, dont 18 000 types scientifiques. Il faut savoir que ces chiffres, comme on l'a dit, vont s'affiner dans la prochaine étude. Nous avons 68 millions d'objets au total au MNHN, Muséum National d'Histoire Naturelle, chiffre du rapport d'activité 2011, dont 800 000 types. Et on peut estimer en fait à 1 million les objets d'histoire naturelle qui sont présents dans les autres musées français. Donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Au total, on peut avoir un chiffre de 90 millions au bas mot d'objets d'histoire naturelle dans les musées français, ce qui est conséquent. Pour ce qui est des universités, on dénombre au moins 8 millions au total d'objets d'histoire naturelle. Encore une fois, comme l'ont dit mes collègues, c'est un chiffre minimal, vraiment. Puisque vous le savez, le chiffre de l'effectif d'enquête est assez réduit pour le moment. On peut estimer en revanche à entre 20 et 50 millions d'objets en réalité dans les universités, une estimation que un des experts, Michel Van Praat, avait donnée il y a peu. Pour les jardins botaniques, on dénombre en 2010 au moins 173 000 taxons en culture au total. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les détails précis. Ça vous donne, je pense que vous avez une petite idée de ce que sont les taxons ou pas. Vous avez également des collections sèches qui sont non négligeables mais qui sont non quantifiées malheureusement. Donc, ce sont des herbiers, des carpothèques, ce qu'on appelle les grainoteries qui abritent les graines. Et vous avez également des collections scientifiques. C'est intéressant aussi de le mentionner parce que ce n'est pas négligeable pour près de 40% des jardins botaniques. Ils ont des collections scientifiques. Et puis, à titre d'indication, je rajoute que les collections, les CCSTI, dans les CCSTI, il y a des collections, mais anecdotiques, sans caractère patrimonial, à près de 31% de l'effectif. Donc nous avons des collections similaires entre ces familles, d'une grande diversité marginale et numériquement importante. Alors on constate qu'il existe en effet une grande diversité de collections dans ces familles. Donc vous le voyez ici notamment pour les muséums, un exemple. Celles-ci peuvent être très importantes. On voit les types de collections là, de différentes couleurs et avec des amplitudes de quantité très très variables. On y voit donc de fortes disparités d'un établissement à un autre, avec des spécialités, des profils bien précis. Là, je vous donne juste un exemple d'importantes collections botaniques pour les musées de Nice, Grenoble, Avignon, Besançon. Mais on peut évidemment tirer un certain nombre de constats sur ces visions globales par établissement. Là, vous avez la suite, c'est-à-dire les effectifs sur les 16 musées de moins de 100 000 objets, voilà, avec aussi des spécificités par établissement. Vous avez la même chose pour les universités. Alors, encore une fois, données non représentatives à ce jour, mais qui ont mérite quand même d'amorcer des tendances, avec des potentiels, des forces de collection dans certaines universités. Alors,
les jardins botaniques abritent des collections vivantes, des serres, des arboretums, des alpinums et j'en passe, mais pas seulement. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez le voir ici, une cartographie des herbiers et des carpothèques. Donc, c'est intéressant de représenter géographiquement ces données-là. Et puis, les herbiers qui sont présents également dans beaucoup de muséums. Vous voyez ici une représentation transversale au muséum et aux autres musées détenteurs d'histoire naturelle, et puis les jardins botaniques. Donc ça donne une idée de l'importance de ces collections et de leur répartition en France. Les muséums abritent également des collections vivantes, dont végétales mais aussi animales. Donc en voici la cartographie. Les muséums peuvent donc avoir des connexions plus ou moins fortes avec le monde vivant, notamment avec les jardins botaniques, les parcs zoologiques, les parcs et réserves naturelles, etc. Famille, comme l'a dit Florence, que nous n'avons pas encore malheureusement abordé à ce jour. Alors on s'arrête un peu plus longuement sur la valeur et le statut des collections, deux aspects intéressants. Les collections qu'on aborde ont la plupart du temps, enfin potentiellement un intérêt patrimonial, scientifique, pédagogique, à l'exception de celles des CCSTI qui sont minoritaires et qui ont plus un but pédagogique pour les expositions, la médiation, etc. Le statut des collections. Il est intéressant de voir que les muséums ont un cadre réglementaire, comme vous le savez, à travers le classement Musée de France, loi du 4 janvier 2002. Dans les universités, il n'y a pas de classement Musée de France, comme vous le savez également, sauf quelques exceptions, je le dis parce que c'est quand même intéressant de s'arrêter sur ces détails, ces exceptions-là. Par exemple, les collections de moulage de Montpellier III, dont une représentante est dans l'Assemblée, ont été classées Musée de France. Et puis, plus globalement, Nancy, Strasbourg et Mulhouse également ont été classées Musée de France. Pardon. Excusez-moi, oui, je vous ai pas mis les... Désolé. Il y a, pour les universités, une difficile reconnaissance du caractère patrimonial des collections, en lien avec l'exploitation scientifique et pédagogique qu'on en fait. En effet, utilisées à but scientifique, elles sont largement utilisées à but scientifique et d'enseignement, donc ce qui induit manipulation des collections, voire destruction, évidemment. Et il y a une volonté qui existe vraiment dans les universités de ne pas se soumettre à un cadre réglementaire contraignant, qui pourrait entraver la recherche. Donc c'est un aspect important à donner. Il y a également une réelle nécessité à catégoriser les collections patrimoniales, les collections d'études, pédagogiques, etc., et d'essayer d'en rationaliser la gestion. Pour ce qui est des jardins botaniques, les collections sèches sont non classées, mais sont conservées selon des conditions de conservation classiques, respectées. On note pour les collections vivantes la protection d'espèces rares et puis d'espèces inscrites sur les listes d'espèces menacées, qui sont elles-mêmes recensées dans la base Plant Search. Je donne juste un détail supplémentaire. Il y a à peu près 89% des jardins botaniques qui ont des espèces protégées, confirmant bien que, comme les parcs zoologiques, ils sont des lieux de préservation de la biodiversité. Un petit rappel des missions, c'est très très rapide. C'est pour avoir un discours également sur les interactions avec l'activité. Ça conditionne évidemment l'activité d'une certaine manière. La conservation est évidemment présente seulement pour deux familles, les muséums et les jardins botaniques. La recherche, elle est présente dans toutes les familles, sauf pour les CCSTI. Et puis la diffusion donc de la culture scientifique, elle, est présente partout. Ce qui montre bien qu'elle réunit et qu'elle nous réunit aujourd'hui.
Alors, influence sur l'activité, quelques éléments rapides. Pour les muséums, on note évidemment une gestion des collections qui est largement chronophage, il faut bien le dire. Et depuis un certain nombre d'années, il y a une baisse de l'activité scientifique, d'ailleurs qui n'a pas commencé hier, mais qui date d'il y a longtemps, à la création des universités, qui ont influé sur l'activité en elle-même des muséums d'histoire naturelle. Et cela, paradoxalement, avec une importante plus-value des collections, puisque les collections sont des supports à la recherche. On a parlé de grands instruments de la recherche, on parle avec la démarche IRECOLNAT notamment, et ce, tout comme les collections universitaires. Les universités, justement, on a une utilisation, comme on l'a dit, des collections à but largement pédagogique et scientifique de recherche. Et puis parallèlement, il y a un développement depuis maintenant plus de 20 ans des actions de médiation. Les collections n'ont pas de statut. Il n'y a pas de mission de conservation non plus. Il y a un manque cruel de compétences et de moyens humains et financiers. Et ce qui induit, il faut bien le dire, une fragilisation du patrimoine. Voilà. Pour les CCSTI, ils sont certes affranchis des contraintes, ce qu'on pourrait appeler des contraintes patrimoniales, et ils ont du coup, par conséquent, une activité largement dédiée à la veille, la mise en réseau, et notamment la diffusion. On peut donc considérer que sont de gros producteurs d'exposition et de médiation, et cela à partir en ayant des approches particulièrement innovantes, comme on l'a dit tout à l'heure. Quelques éléments très synthétiques sur la professionnalisation des personnels. C'est juste des amorces, hein, parce qu'on ne peut pas tout mettre. On voit évidemment qu'à la tête des muséums se trouvent des conservateurs, mais de plus en plus attachés de conservation, une tendance réelle. Et puis une tendance à la polyvalence également sur le plan des tâches et des compétences des personnels. Pour les universités, il y a des personnels dédiés à travers les services de culture scientifique ou de patrimoine qui existent. Ils sont formés à la médiation bien souvent, mais très mal à la conservation, pas du tout, donc qui est un réel problème. Et on note en parallèle qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs, depuis un certain temps également, se trouvent chargés de collection et particulièrement actifs, même si on a du mal à le mesurer pour le moment, en termes de médiation. Pour les jardins botaniques, juste un élément, une représentation assez large des profils techniques dus à leur terrain professionnel. Un aspect rapide sur la dynamique d'inventaire informatisé. Donc, il y a une dynamique d'informatisation des collections, particulièrement développée évidemment dans les deux structures de conservation proprement dites, les muséums et les jardins botaniques. Donc à près de 90%, vous le voyez, 90%. On a une informatisation totale pour 6% des muséums seulement. Bon, il faut savoir que c'est un travail évidemment laborieux et que 84% des muséums ont une informatisation partielle, ce qui n'est pas négligeable. A l'inverse, les jardins botaniques ont une informatisation totale à 70%. Donc un très bon niveau, mais il faut bien imaginer que c'est un terrain patrimonial et d'études différent des muséums d'histoire naturelle. Pour les universités, il y a des cas très variables, mais il faut aussi noter qu'il y a une tendance à entreprendre le recensement des collections, à l'instar des musées, et qu'il y a évidemment encore aujourd'hui une approche plutôt artisanale, mais de plus en plus une utilisation de logiciels de gestion des collections. Et enfin, un volet sur l'utilisation et le versement dans les bases de données scientifiques. Il y en a un très grand nombre. Il existe donc un certain nombre de bases de données scientifiques spécialisées. Au plan national, on note qu'elles sont largement transversales à ces familles d'acteurs, les muséums, les universités et les jardins botaniques. Donc, vous voyez ici, les cinq premières sont nationales, et puis le GBIF, j'en ai mis une, le GBIF France est international, le GBIF, qui est un comité français, mais qui est international. Juste un petit...
rapidement un petit détail sur ces bases de données. Nous avons Sonera de Briomico, qui est évidemment très connu, les musées d'histoire naturelle et les jardins botaniques, et même des universités, qui est une base spécialisée en botanique, et particulièrement sur les collections d'herbier. Donc on voit qu'elles ont énormément de contributeurs universitaires, mais aussi de jardins botaniques. Tela Botanica, qui est également une base spécialisée en botanique, mais qui intègre non seulement les collections sèches, mais les collections vivantes. Un certain nombre de contributeurs, également des associations, puisque c'est la spécificité de Tela Botanica est de se faire sur le plan collaboratif, donc faire appel à différents contributeurs. Nous avons également la base Transtifipal, qui d'ailleurs trouve à ses murs à l'Université de Bourgogne, qui, elle, est une base spécialisée en paléontologie, spécifiquement sur les types scientifiques en paléontologie, et donc un certain nombre de contributeurs universitaires et muséaux également. Je parle, on aura l'occasion peut-être d'en parler d'ici ces deux jours, de la base IRI-COLNAT, qui est une démarche globale, c'est un grand instrument de recherche justement spécialisé en collection d'histoire naturelle, l'idée étant plus spécifiquement de s'intéresser aux types scientifiques de zoologie, de botanique et de paléontologie. Enfin, la base PADSTEC, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle réunit universités, musées, associations, entreprises, est une base qui est spécialisée sur les instruments scientifiques contemporains. Et enfin, le GBIF, qui est une base spécialisée en biodiversité, donc sur les données primaires, au plan national et mondial. Et donc là, de plus en plus d'établissements culturels et de recherche versent leurs données dans cette base. Donc je renvoie, pour avoir plus d'informations, au dossier thématique que nous avons élaboré à l'Observatoire en 2011, si je ne m'abuse. Et voilà, d'ailleurs, un article avait été écrit sur ce thème. Voilà pour quelques éléments que l'on peut donner déjà sur le patrimoine à ce jour. Eh bien, merci. Merci Patrice, merci Julien. Nous avons bien confirmation de l'intérêt, de la richesse de ces données, de ces informations, qui se chiffrent par millions à l'échelle du territoire national. C'est un travail effectivement conséquent. C'est une chance et une opportunité d'avoir sous la main ces repérages, ces balises fondamentales. Ça confirme donc cette richesse, cette diversité, et puis la force de nos réseaux, quatre familles essentielles qui constituent une des armatures nationales de la science, de la technologie et de cette culture. On a aussi confirmation de l'hétérogénéité en personnel, en fréquentation, en budget, en statut, mais aussi des spécificités, en particulier spécificités de ces acteurs centraux autour de l'innovation et de la transmission de l'innovation, mission centrale que les régions sont amenées à porter à partir d'aujourd'hui. Nous avons un quart d'heure devant nous pour arriver à la deuxième partie après les présentations, les questions, questionner les premiers résultats, et je vous demanderai en un mot de vous présenter, de dire de où vous parlez, comme on disait il y a quelques années, et puis de pointer votre question, si tant est qu'on puisse pointer une question, vers tel ou tel collègue qui a pris la parole, Julien, Florence ou Patrice. La parole est à vous. Alors vous avez effectivement un micro devant vous, il y a probablement comme nous un bouton avec une petite voix qui permet en appuyant dessus d'obtenir la parole. Mais il y a levez un la micro main avant, volant aussi. Je suis le micro volant. Ah ben voilà, c'est très bien. Peut-être c'est encore mieux de passer par le micro volant, de façon à ce qu'on puisse bien voir qui parle. Levez la main avant de prendre la parole. Voilà, monsieur tout au fond, là-bas, puis après j'ai vu madame. Alors déjà, monsieur tout au fond, là-bas, qui lève la main, et après madame. Bonjour, donc Franck Marsal, je suis directeur du Forum des sciences, donc un équipement du département du Nord à Villeneuve-d'Ascq, et j'ai participé au groupe de travail qui était... participer comme j'ai pu, parce que c'est pas toujours facile, mais au groupe de travail. Alors c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque. Oui.
Sur le résultat, d'abord je voudrais dire que vraiment je voudrais remercier voilà l'OCIM et l'équipe qui a travaillé, parce que je sais à quel point c'est difficile de mener un travail comme ça compte tenu de la complexité du paysage et puis la difficulté à mobiliser un grand nombre d'acteurs, à se mettre d'accord et voilà, pour avoir fait pas mal d'enquêtes moi-même, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et ça a été assez long. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense que voilà, on a vraiment là une première base. Et ça, c'est très important, parce que je pense que, comme ça a été dit à la table ronde précédente, de toute façon, une enquête, c'est aussi un processus, et c'est la première enquête qui va permettre à la fois d'améliorer peut-être la suivante, de donner envie, et aussi de donner naissance à de nouveaux besoins, et puis de faire apparaître des choses qui ne peuvent apparaître que la deuxième fois, c'est aussi la manière dont les choses évoluent. C'est-à-dire de passer de la photo au film, comme on dit souvent dans ces situations-là. Néanmoins, je voudrais faire une réserve, et je prends peut-être ma part de responsabilité par rapport à ça et par rapport aux résultats tels qu'ils sont présentés là. C'est-à-dire que moi, pour ce qui est de la région de Nord-Pas-de-Calais, que je connais pour en être partie prenante et animer un réseau de centres de culture scientifique sur la région, les résultats tels qu'on les a là, à mon sens, ne sont pas représentatifs de la réalité du tissu qui existe dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, moi-même, je pense que je ne connais pas la totalité, parce que, évidemment, plus on descend en profondeur et plus on a une myriade d'acteurs de petite taille qui sont difficiles à appréhender. Deuxième chose, surtout, c'est que pour moi, il y a des structures importantes qui manquent. Donc ça, c'est un souci. Alors après, est-ce que c'est un souci de définition ? C'est ce que je pensais en premier abord quand j'avais reçu la fiche. Je me suis dit, première lecture, peut-être que moi, j'appelle un CCSTI ce qu'on n'a pas considéré comme un CCSTI. Je voudrais quand même, parce que je pense que c'est quand même important, enfin, sur le Nord-Pas-de-Calais, pour dire les chiffres, pour moi, il manque plus d'un million de visiteurs. Voilà. Il manque, nous on a un réseau d'une dizaine de centres qui représente 1 200 000 visiteurs. Il y a deux centres qui sont répertoriés, je rajoute le muséum, ça fait 3 parce que lui il est dans la catégorie muséum. Si je fais la totalité, on est à peu près, je pense, entre 200 et 250 000 sur ces 3 centres. Donc voilà, et il manque une structure comme, juste pour terminer sur cette histoire de typologie, il manque une structure comme Nausicaa qui fait elle seule 600 000 visiteurs par an, qui me paraît très importante. Et ce qui m'a beaucoup surpris, et c'est là peut-être qu'il y a une question sur la constitution de l'échantillon, c'est de voir qu'il n'y avait pas Nausicaa à Boulogne-sur-Mer et qu'en revanche, il y avait Océanopolis à Brest, par exemple. D'accord. Donc je pense qu'il y a probablement une réflexion à avoir sur ces questions d'échantillons. Et peut-être, à un moment donné, moi, je pense que c'était bien de travailler par famille dans une première phase, parce que c'est ce qui permet aux acteurs de se reconnaître. Et peut-être que dans une deuxième phase, avoir une approche beaucoup plus généraliste et à chacun de dire dans quelle famille il appartient, finalement, sur l'enquête. Je vous remercie pour votre précision. Il me semble que pour les aspects territoriaux, ils seront pris en charge demain, mais je vais me tourner vers Florence qui va répondre sur la constitution de l'échantillon. Alors, on est tout à fait d'accord, Franck. Effectivement, nous, étant organisme national, l'idée, on a fait un parti pris méthodologique qui est assumé, qui est de dire, effectivement, ce périmètre-là, on va l'appréhender par famille. Après, c'est clair qu'à l'échelle des territoires, certaines familles, on n'a pas pu les ausculter et qui peuvent être très présentes dans une dynamique territoriale. C'est pour cela que nous, on voit bien que ce que l'on fait là, comme l'évoquait Adja, c'est on a une espèce de base statistique, ADN statistique par famille et qui est organisée par un type de questionnaire appliqué à chaque famille. Mais c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, 4 ans après, il y a la question de l'observation territoriale qui est une autre approche et qui est nécessaire. Quid de comment on l'a fait et dans quelle organisation, avec quelle assise partenariale. On a des demandes déjà. On a vu Haute-Normandie pourra en témoigner demain. La Bourgogne dit pareil aussi. Moi, j'ai besoin de voir mes acteurs à l'échelle d'un territoire. Champagne-Ardenne, le CCSTI qui était construit pour être coordinateur des acteurs locaux, a tout de suite fait appel à nous en disant « aidez-moi à avoir une mise en visibilité des acteurs que je coordonne ». Mais
Mais ça, c'est un nouveau travail qu'il faut élaborer ensemble. Sur la question de Nausicaa, Nausicaa a été interrogé. Il n'a pas répondu. C'est la question, on est sur du déclaratif et il faut que les structures acceptent de donner leurs informations. Hein, on les relance, on a à chaque fois l'équipe les relance, etc. Après, comme tu l'indiquais tout à l'heure, et c'est ça aussi, c'est qu'on doit être dans la force de la démonstration de l'engagement. C'est-à-dire qu'après ça, je pense que certaines structures vont dire « mais il faut que j'en sois, il faut que j'en fasse partie parce qu'au final, je n'y suis pas ». Donc c'est aussi pour ça qu'on a été, qu'on s'est très appliqué sur la qualité de la présentation, du rendu, l'accueil, etc. Pour dire, voilà, c'est un engagement qu'on vous donne, on va jusqu'au bout de ce qu'on fait, mais il faut jouer le jeu. Merci Florence pour ta réponse. Je propose que les questions adressées doivent être brèves et un acteur précis, en raison du peu de temps qu'il nous reste, à savoir 5 minutes. À vous madame. Bonjour, Gaëlle Crène de l'Université de Lorraine. Mon intérêt est pour l'approche des collections universitaires. Et donc, mes questions s'adressent plutôt à Monsieur Charron et concernent les types de collections scientifiques. J'étais un petit peu étonnée, mais c'est plus des interrogations, hein. Un petit peu étonnée des catégorisations qui sont faites concernant le placement des collections de sciences humaines et sociales au sein des collections d'histoire naturelle, mais également de la séparation des collections d'histoire des sciences qui sont, elles, placées dans autres collections scientifiques. Donc je me demandais comment avait été appréhendée, sur quelle base cette place des sciences humaines et sociales par rapport à d'autres disciplines. Et même plus largement, comment on peut voir le rapport avec les collections artistiques. Donc je comprends bien qu'elles ne font pas partie du champ, mais par exemple dans une université, comment est-ce qu'on peut appréhender l'ensemble des collections qui peuvent être de plusieurs types, et est-ce que il y a des observatoires de la culture artistique qui peuvent nous donner des chiffres concernant ces collections artistiques, par exemple dans les universités. Merci. Merci à toi. Bien, écoutez, pour la première question, il faut savoir que déjà nous montons des questionnaires et que nous montons par exemple une arborescence de collections disciplinaires en collaboration avec des acteurs. Des spécialistes du champ. Là, donc il y a plusieurs questions dans la première, finalement. Pour ce qui est des sciences humaines, je l'ai précisé dans mon discours, c'est-à-dire que là, je l'ai signalé de cette manière-là, parce qu'un certain nombre au plan muséal, et notamment naturaliste, depuis toujours, l'archéologie et l'ethnologie font partie intégrante de leurs collections. Et ces collections, nous les avons nommées les collections d'histoire naturelle. Les quatre premières, botanique, zoologie, géologie, paléontologie, étant de sciences naturelles, proprement dites. Évidemment, ça, c'est juste un mode d'organisation, puisque, bien évidemment, si vous faites référence aux universités, on peut considérer que l'archéologie est dans le département d'archéologie, l'ethnologie, etc. Donc c'est réparti, c'est organisé d'une autre manière. Il ne faut pas y voir un focus de catégorisant. C'est juste une organisation des collections, une présentation des collections. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, pour ce qui est de l'histoire des sciences, ça s'est fait aussi en collaboration avec les acteurs. L'histoire des sciences, on peut le mettre là, on peut le mettre ailleurs, enfin peu importe. De toute manière, l'histoire des sciences sont des collections transversales, on en a bien conscience. Hein, de la même manière que les instruments scientifiques le sont, etc. Donc voilà. Et puis pour la troisième question, pour le patrimoine artistique, évidemment, il y a un patrimoine artistique important. On ne peut pas s'occuper de tout. On ne peut pas mettre en visibilité quelque chose qui est titanesque. Et donc, nous aurons peut-être des collaborations, notamment avec l'association AUC,
à l'avenir pour mettre en exergue, mettre en évidence ce patrimoine-là, et notamment tout ce qui est culture proprement dite. Merci Patrice Charon. Florence Bellaine va compléter avant d'accueillir une dernière question de monsieur face à moi à droite. Sur la question du patrimoine artistique, l'idée est de monter un partenariat avec AUC, qui ont toute la légitimité. Hein, nous, on est patrimoine culture scientifique et technique. Après, c'est clair qu'on va sur des disciplines qui sont connexes. Mais là, l'idée est justement tout ce qui relève de la culture dans la deuxième plateforme et de travailler en amont et dans un partenariat solide avec AUC. Merci Florence, monsieur. Puis une toute dernière question, bon, messieurs, mais très brève, une, deux, puis ça sera tout, puisque nous avons encore, vous l'avez constaté, une table ronde après. Monsieur, brièvement. Lionel Maillot, Université de Bourgogne. Est-ce que sur les universités, je n'ai pas vu de données sur les financements, peut-être que je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous en avez ou est-ce que vous allez en chercher, financement et cofinancement? Alors, sur les universités, l'a évoqué un peu rapidement Julien, on a été affronté à le manque d'habitude de transparence de certaines informations, et qui nous a un peu surpris. Alors déjà, le budget sur l'ensemble des familles, on sent que c'est délicat. Hein. Ça serait intéressant d'interroger nos amis québécois ou qui, sur la question de la transparence, la divulgation des informations. Est-ce qu'à l'anglo-saxonne, on communique plus facilement sur ce genre de données qui, voilà, peuvent être délicates? Donc déjà, le budget, on a eu du mal, des fois parce qu'aussi les structures, elles ne le savent pas. Quand elles sont services d'une collectivité territoriale, elles ont du mal à rendre compte d'un budget global de fonctionnement. Sur les universités, on l'a évoqué hier, on sent bien qu'il faut aller plus loin, qu'il faut rajouter un peu de précision pour qu'on ait des choses tangibles. C'est ce qu'on souhaite. Hein. On a même eu des difficultés à avoir des informations sur les statuts des personnels, qui pour nous, en tant qu'observatoire, il faut bien qu'à un moment donné, on ait des choses de remplies, parce que on se pose la question des fois, si est-ce que ce n'était pas une question de mise en visibilité de premier niveau des uns et des autres, où est mon homologue sur les collections de physique, où est mon homologue sur les programmes culturels, etc., déjà en France, et qu'il a fallu faire un petit travail déjà de persuasion en disant, bon, on va commencer à rentrer un peu dans le dur. Donc on souhaite que la deuxième plateforme nous apporte plus de précisions. Merci Florence pour ces précisions sur la valeur stratégique de l'information. Une avant-dernière question de monsieur, sachant que les autres questions, vous pouvez les poser en aparté ou à l'occasion d'autres tables rondes. Oui, oui. À vous. Bien sûr. Serge Ozac, directeur du CCI de Bourgogne, vice-président de l'Association nationale des CSTI. Deux remarques, une question. Une première remarque, c'est qu'il conviendrait de revenir à l'acte de naissance des CSTI pour s'apercevoir que l'un des enjeux des CSTI, c'était justement de ne pas avoir de collection. Et donc ça, il faut revenir dessus. Et donc, je pense qu'il faut laisser en visibilité la mise en approche des collections à caractère pédagogique. Mais pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit des collections. Et j'aimerais bien interroger les gens du patrimoine pour savoir quelle est la définition. Même chose, donc c'est ma deuxième remarque. Définir à partir de quand un objet devient un objet de patrimoine. Hein, à titre d'exemple, il est évident qu'une collection, entre guillemets, qui n'est plus utilisée dans la recherche au sein de l'université, rentre dans le champ patrimonial. Ça fait partie de la question. Donc ça, c'est mes deux remarques. Ma question, c'est en termes, entre guillemets, d'urgence ou de priorité, on va dire ça comme ça, parce que le mot urgence n'a pas beaucoup de sens, c'est de dire, en fait, pour commencer à avoir une photo qui soit un peu plus nette, est-ce que la prochaine investigation ne pourrait pas concerner les musées de sciences et techniques, ce qui permettrait d'illustrer la partie culture scientifique, technique et industrielle, et qui donc nous offrirait pour les troisièmes rencontres à Dijon, donc on a rendez-vous en 2015, avec effectivement une présentation des musées techniques et scientifiques. Et puis je terminerai là-dessus, simplement tirer chapeau bas, sur la puissance d'investigation qui a été mobilisée et la qualité. C'est une première photo, certes. Bon, on ne démarre pas par une photo nette, mais on démarre par une photo qui donne des grands traits, et je pense que c'est remarquable. On a effectivement un progrès redoutable qui vient d'être fait dans la culture scientifique. Merci. Merci de vos remarques, questions. Sur la définition de ce qui relève du patrimoine, d'une part, il y a des interlocuteurs autour de nous dans la salle, et d'autre part, il y aura une autre table ronde consacrée à cet aspect-là. Et puis, je pense que votre question s'oriente vers Florence, probablement.
Merci Serge pour ces retours positifs, ça nous fait tous du bien. Sur les musées techniques, oui, bien sûr. Et là, il y a tout un pan sur la question du patrimoine technique, industriel, et là où il y a vraiment il y a un travail de mise en visibilité, et puis même de pédagogie, en fait. On s'aperçoit qu'entre ces familles, il faut se rendre compte, il faut se parler aussi. Alors, sur les musées techniques, là, encore une fois, comme pour AUC, dans le champ de la culture, dans les universités, il y a le réseau REMUT, qui est piloté par le CNAM. Donc l'idée, par exemple, avec eux, c'est pas de faire leur travail, c'est plutôt unissons nos forces pour que, à terme, on puisse avoir ces données-là. Et on a enclenché déjà des logiques d'échange, de dialogue avec eux. Merci pour cette réponse. Laurence, une dernière question. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, Jean-François Gaffard, médiateur scientifique au Muséum d'histoire naturelle de Grès en Haute-Saône. Moi, j'avais une question sur le périmètre d'observation. Est-ce qu'un objet aussi étrange que Wikipédia fait partie de votre périmètre d'observation et les relations entre les institutions, ou dans les 12 champs de réponses possibles, est-ce que les relations à Wikipédia de la part des musées, des institutions de culture scientifique en font partie? J'ajoute que j'ai participé la semaine dernière à une première rencontre à la DRAC Franche-Comté entre Wikipédia et les musées. Quelle relation possible, quoi, voilà. Sur ce sujet, il y a eu des réunions à la BNF, Wikipédia, musée, muséum. Mais je vais laisser la parole à Florence, à moins que nos collègues veuillent intervenir à ce sujet pour répondre à cette dernière question. Alors, dans l'absolu, oui, bien évidemment que c'est intéressant, parce que c'est là, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la marge qui se passe des choses. Hein, on voit aussi tout l'intérêt de la société civile pour la prise en compte de l'expertise, de la diffusion des savoirs. Donc, dans l'absolu, oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans l'idée d'un observatoire de la culture scientifique et technique, il y aurait plein d'observatoires, en fait, hein, sur les rapports des Français aux sciences, sur la question des carrières dans les sciences. Il y a tout un tas de choses. Nous, c'est vrai qu'avec les tutelles, avec la direction, il y a l'idée de faire la photographie des acteurs institutionnels. Mais dans l'absolu, bien évidemment. Voilà, je remercie l'équipe à mes côtés, Julien, Patrice, Florence, pour le travail, la qualité des réponses. Et nous avons bien le constat chiffre à l'appui de la qualité et de la pertinence du travail réalisé depuis 4 ans. Merci à tous.